C'est beau ce silence. D'habitude, il y a toujours des avions, des voitures dans le lointain. Là, rien. C'est quand même une situation assez étrange, hein, d'être confiné là où on a grandi. C'est quoi ? C'est mes chaussettes. L'été arrive et t'as besoin de chaussettes ? Tout à fait. Trop de souvenirs, trop de passé. Que vous partagez avec votre frère ? Oui. C'est marrant, avec Paul, vous donnez l'impression d'être ensemble depuis toujours. Je te dérange une seconde, pardon, excuse-moi. Oui. Tu veux des choux raves ? Non, ça va. T'as eu le temps de passer à la boulangerie ? Je suis pas psychologiquement prêt pour la boulangerie. C'est ce qui me semblait. Je me suis dit que c'était un peu dur quand même, la boulangerie, d'un coup. Essaye d'être patient avec ton frère. L'autre jour, tu as passé toutes les poignées de porte à l'eau de Javel, diluées. Mais je suis patient. Tu prends sur toi. J'en ai marre de subir tes angoisses ! Merde ! L'enfance passée à la campagne, ras-le-bol ! Ça crée des liens. Toute une vie vécue indépendamment, tu ne penses pas que ça fait de vous aussi un peu des étrangers ? Bon, hier soir, Carole et moi, on a dû mettre des boules quies. Hier soir, on a regardé un film muet. Je sais pas, c'est que la musique était trop forte. Il y a une telle pression à être dans le cours du monde que le fait que tout s'arrête... à une puissance libératrice. La semaine prochaine. Oui, même arbre, même heure.